Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes jeudi 16 décembre 2021, c'est parti pour une petite vidéo à Action de Cerbon. Juste avant j'étais à Action de Brick contre Robert. Ils sont vraiment pas loin l'un de l'autre et moi je trouve que c'est intéressant si vous avez le temps de faire les deux puisque je trouve qu'ils se complètent, ils ont les mêmes articles mais ils se complètent. Carpette à poils longs. Alors j'ai une de mes abonnées qui recherchait le gris et j'espère que tu verras ma vidéo assez tôt. Ce que je disais c'est que les gris, je pense que dans les cartons il y en a 1 sur 4 peut-être, ou 1 sur le nombre de tapis dans le carton, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des gris. Mais je sais que vous êtes beaucoup aussi à les rechercher puisque c'est la nouveauté. Donc le gris ou le blanc cassé, ils font 1m33 sur 1m90, 37,95€. Dans la promotion de la semaine, on a des jeux Nintendo Switch à 7,95€. Alors il y en a quasiment tout au long de l'année, mais à 9,95€. Et là, il reste, j'ai vu, 3 jeux. À propos de la Nintendo Switch, il y a aussi la housse de protection à 3,99€. Il y a plusieurs modèles et plusieurs couleurs. Petite bougie colorée à plusieurs effets. Donc il y a cet effet en relief, celui qui est lisse, bah, c'est les deux. Au niveau des couleurs, on a du bleu clair, du rose, 62 centimes. Elles existent aussi en un peu plus haute comme ça. On va faire ça pour les couleurs. Ils ont remis ces mugs avec l'oreille dorée. 1,79€. Il me semble qu'il y avait 4 messages. Celui-là, il y en a un quatrième normalement. Celui-là, plus important. E-Happy, 1,79€. Alors comme je le dis et à chaque fois, j'essaye à chaque fois de vous donner l'info aussi, c'est des mugs qui passent ni au four, ni au micro-ondes, ni au lave-vaisselle. Alors à partir du moment qu'il y a du doré, ça passe pas au micro-ondes. Ensuite, pour le lave-vaisselle, c'est pour pas, à mon avis, abîmer justement la déco. Et c'est vrai que c'est dommage parce que moi, je réchauffe mon eau chaude. Alors j'ai une bouilloire, mais parfois pour aller plus vite, un petit coup au micro-ondes, mon lait, etc. Donc si vous utilisez beaucoup le micro-ondes, bah, malheureusement, ça sera un mug de déco. Moi, j'en ai un, vous savez, le gris et noir. Ils avaient sorti aussi le gris et noir écrit « Be Happy » dessus. Bah, comme on ne peut pas le passer au micro-ondes, bah, je le mets en tant que déco dans ma cuisine. Les hooks, je vous ai montré dimanche, 35 cm tout feu. Donc anti-adhésif, 12,95€. Qui passe sur tous les feux et au lave-vaisselle aussi. Il me semble que c'est nouveau, c'est Tefal Simply Clean, 9,95€, 24 cm, donc passe au lave-vaisselle. Alors, je vois pas le petit logo induction par contre. Alors dans la marque Tefal, il y a plein de modèles, de catégories. J'essaie de vous le dire à chaque fois. Donc des Tefal, on peut trouver des Tefal à moins de 10€, comme on trouve des Tefal à 40, 50, 60€. Après, ce qu'il faut regarder souvent, bah, c'est la matière, les tailles, et puis aussi le fait qu'elles passent sur certaines tables de cuisson ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est pas parce qu'on voit du Tefal que oh, bah, c'est super. Il faut regarder voilà, comment dire, la qualité de ce modèle là. Le retour en rayon de cette poubelle double bac à 10,95€. Enfin, on peut mettre deux sacs. Vous voyez, c'est pas séparé à l'intérieur, mais au milieu, voilà, c'est une légère séparation. Donc, on peut mettre deux sacs, puisque sur le couvercle, il y a deux entrées. 10,95€. Normalement, elle existe aussi en verre. Voilà, typiquement ce matin à Action de Brick contre Robert, je vous disais, bah tiens, je cherchais ces petits classes, je ne les trouvais pas. Vous voyez, il y en a ici. Ils les ont remis, je pense, ce matin, puisque quand je suis venue, alors je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, ils n'y étaient pas encore. Donc ça, c'est pour faire des petites brochettes. Ça peut être des petites brochettes de bonbons, de fruits, et puis aussi pour l'apéritif, fameux tomates, bout de fromage, etc. 49 centimes, il y en a 100. Sac à dos Ronaldinho, 3,99€. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la semaine,
lors d'une visite, je crois que c'était Action Créteil, je suis tombée sur un sac à dos noir Ronaldinho à 3,99€. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais même étonnée du prix. Et donc j'en ai pris un, il est super parce que j'avais pas vu, mais en dessous il y avait aussi la protection, vous savez, quand il pleut, il protège le sac, hein, c'est une protection en style de kawaii. Et c'est dommage que j'en ai pas retrouvé parce que franchement c'est une très bonne idée cadeau et il a l'air vraiment très bien. Donc si vous tombez dessus, il est noir, il y a écrit Ronaldinho dessus. 3,99€, après ça peut être une idée cadeau. Hop, et à l'intérieur, on peut mettre des petits stickers, des coloriages autour de Peppa Pig ou d'un autre héros. Donc on se dit, par exemple, allez hop, on se donne un budget de 10€ et on peut compléter. Et je pense qu'on peut avoir un très très beau sac cadeau. On peut y mettre aussi à l'intérieur ce genre de stylo. C'est un stylo à encre invisible, 89 centimes. Donc mes enfants en ont un. Donc il y a un côté où c'est un stylo normal et puis de l'autre côté, c'est de l'encre invisible. Qu'on va écrire sur un papier et puis on verra rien et en fait il faudra allumer la petite lumière là pour voir l'encre, petit message. 89 centimes. Il y a l'avocat, il y a la planète. Tiens, ça peut être sympa, vous savez, si vous faites une petite panière pour les gamers. On a le signe. Le ballon de foot, alors normalement il y a aussi une licorne. Il y a pas mal d'autres modèles. Alors, un petit coucou et un gros bisou à Lorna. Merci beaucoup pour ce petit moment d'échange. C'est à chaque fois un plaisir. Je reviens sur mon histoire de suite. Il y a aussi ça qu'il faut absolument avoir. C'est la protection pour l'écran. Alors ici, il est à 2,69€. Alors attention, je vous disais hier, ne vous trompez pas de switch. Il y a celle-ci. Comme ça, c'est plus simple. Donc il y a la Switch Lite et la Switch classique, je vais dire ça comme ça, donc faites attention. Je reviens sur ces mangeoires, mais qui ont été transformées par beaucoup, par des, comment dire, des petites coupelles à apéritif. 1,89€, alors je vous les remonte pour une simple raison, l'une de vous m'a demandé la matière. Et en fait, c'est en céramique. Sur le coup, j'avais un doute. Et quand j'ai un doute, je ne vous réponds pas. Ou bien je vous dis, bah, je vais voir, parce que je préfère vérifier que vous dire une bêtise. 1,89€. Ils ont remis aussi ces gants à pelage. 1,89€. Oh, c'est trop mignon, ça. C'est des tapis pour poser la gamelle. Ah non, c'est pour faire les griffes. Je dis des bêtises, ça se voit que j'ai pas d'animaux. C'est écrit scratch, mais pour faire les griffes, mais on peut aussi, pourquoi pas, poser une gamelle si on en a envie. Hein. Donc, en forme de poisson. Voilà, il y a ces trois motifs-là. Je suis désolée, par contre, je ne vois pas le prix, mais à mon avis, c'est dans les 2-3€. Je vais aller vérifier. Je vais demander le prix. Allez, je vous laisse 3 petites secondes pour deviner le prix. Alors, je me suis un petit peu trompée. Je vous donne le prix dans un article. L'étagère. Je sais que vous l'aimez beaucoup en blanc et bois. Et depuis qu'elle est revenue, je vous l'ai montré en noir et en bois. Et là, elle est en blanc et bois. Elle existe aussi, je vous le dis, à l'inverse. C'est-à-dire sur le côté bois et les étagères blanches. On va voir ce qu'il y a. Le retour aussi de ces grands abat-jours. Ah, je vais vous donner le prix du tapis pour les chats. 3,09€. Voilà. J'espère que vous avez pu deviner entre temps. Donc les abat-jours ronds unis, 5,95€. Alors un abat-jour comme ça peut changer une déco, j'allais dire pas entière, mais presque. Si vous avez un pied de lampe, mais que vous en avez marre de voir justement l'abat-jour, en changeant juste ça, vous allez voir, vous allez avoir une grande différence. Après, il faut trouver la bonne taille, la bonne couleur. Il reste encore quelques chandeliers, 3 branches, argentées, 5,79€, ou noires. Le fameux gris électrique de la marque George Wilkinson, 18,95€. Alors c'est celui que je vous conseille quand je vous montre les grilles chez Action. J'en ai un depuis quelques années et franchement il est vraiment top.
Alors il est petit, hein, donc c'est bien quand vous faites des petits croque-monsieur. Parce que je vois, pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois sur la photo saumon, steak et tout. Je trouve que c'est un peu petit. Si vous voulez vraiment l'utiliser comme, utiliser comme grillade, il faudrait en prendre un peu plus grand. Mais bon, pour une personne, c'est suffisant. Tiens, les petites tablettes de bain. Celle-ci, elle est nouvelle. 1,99€. Donc il y a celle-ci et puis celle-ci. Celle-ci, je ne l'avais pas vue hier. Tiens, le parfum Gabriella Sabatini, il est à 6,95€. Normalement, il est présenté dans une petite boîte comme ça. Les gels douche simples, 1,39€. Alors, il y a plusieurs modèles. Il y a celui sans parfum, il y a celui avec les huiles essentielles et il y en a un avec une histoire de nénuphar. Voilà, géranium. Ouais, c'est pas né. C'est géranium. 1,39€. Donc, c'est des gels douche sans savon, sans colorant, sans dérivés. D'origine animale. Je vous remis les gommages L'Oréal. 1,49€. Et on termine par des petites mini-hardies, on va appeler ça comme ça. Les petits pots de Nutella, 74 centimes. Alors évidemment, c'est pas un petit pot qu'on va acheter pour faire son petit déjeuner du matin. Sauf si on veut faire un petit déjeuner un peu spécial avec le petit pot de Nutella, enfin un truc amélioré, on va dire ça comme ça. Mais en général, c'est des pots que je vois souvent dans les gâteaux, les layer cakes, les number cakes, etc. en déco, 74 centimes. Ensuite, on a les petites, comment on appelle ça, petites brochettes, non pas brochettes, de chocolat. En fait, c'est pour faire un chocolat chaud où vous chauffez une bonne tasse de chocolat, de lait chaud et puis vous mettez votre petit chocolat qui va fondre et ça va vous faire un chocolat chaud. Je vois pas les prix mais il me semble que c'était 1,99€. Voilà, alors ça par exemple c'est des produits qu'on retrouve uniquement là pour les fêtes de fin d'année, décembre, janvier. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis en train de regarder autre chose, je me dis est-ce que je termine la vidéo ou est-ce que je leur présente ça. Allez, je leur présente ça, on passe au salé avec les graissins picots, 74 centimes. Alors ça, pour faire l'apéritif, là, même des fêtes de fin d'année, ça peut être sympa. 75 centimes. Avec, on propose un petit fromage frais avec quelques herbes. Les olives, 95 centimes. Et les assortiments. Alors, basilic. Aioli, pesto. Alors il y en a certains qu'on ne va pas présenter je pense en apéritif, mais plutôt pour accompagner des pâtes comme le pesto. L'aioli, si, en fait l'aioli c'est une sauce, une petite sauce à l'ail. Et c'est vraiment bon, moi j'aime beaucoup. Après ça peut être mis dans des petits toasts, sur des petits toasts de pain de mie grillé. Hein. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.